Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de la Captain par Vaptcho. Cette petite chose. Voilà, ça fait grosso modo que ça fait 48 heures que je la possède. Donc c'est un kit, carrément. On va venir parler de l'atout en premier lieu. En deuxième lieu, de la cigarette électronique, donc de la batterie. En troisième lieu, de ce que je ressens principalement sur cette box. Let's go. Bon, pas besoin de faire un packaging, un unboxing très rapide. On a principalement la cigarette électronique avec un packaging. Ce qu'il faut savoir à l'arrière, donc on a un tank, on a deux résistances, on a un pyrex de rechange, des joints d'étanchéité, un manuel d'utilisation. On ouvre ça comme d'habitude. Vaptcho, je suis assez fier, c'est que à chaque fois qu'il m'envoie un matos, le packaging est vraiment très beau. On a un peu en packaging en forme de toile, un peu comme celle des Dot Mod. On reste à peu près sur le même aspect. Très beau. En avant, vous avez la partie avec la batterie et l'atomiseur. Un autre Pyrex qui vous est fourni. Voilà, un câble USB également. Un autre joint, un gros joint. À l'intérieur, un tout petit sachet comme ceci avec une autre résistance. Donc là, en simple coil. L'autre qui est déjà prémonté sur l'atomiseur, c'est une quad coil. C'est à quoi ça ressemble grosso modo. Avec un petit focus, ça serait topissime. Voilà. Et après, un adaptateur, un autre drip tip, tout simplement, qui nous est fourni. Voilà, qui est un peu plus petit. Nickel. Rien à dire avec des joints d'étanchéité également. Fourni au fond. Comme vous savez, principalement, je viens pas parler des caractéristiques complètes. Pour ça, il y a la description avec le site directement de chez Vaptcho qui vous sera fourni en description si vous voulez vraiment voir toutes les caractéristiques techniques. Même si je sais qu'au montage, ça me saoulera d'écouter ça. Donc, je vous claquerai automatiquement pas mal de petites infos derrière. La Vaptcho, c'est ça. Voilà, c'est cette petite Captain là. Alors, j'ai eu l'avantage de recevoir plus d'une des Vaptcho auparavant, que ce soit la Superbat ou les trucs comme ça. Donc, on va venir parler du firmware. Firmware, c'est le logiciel qui est dedans. Pour ceux qui sont pas trop ronglés. L'atomiseur ressemble à ça. On viendra en parler juste après. Logiciel qui devait être changé depuis la Superbat première du nom. Donc oui, il a été changé, je confirme. Principalement, c'est la couleur qui a été changée. On passera sur une couleur maintenant bleue. Donc là, avec le kit rouge, ça passe plutôt bien. J'ai pas à me plaindre de ça. Par contre, j'ai vu la revue de Chris. Donc moi, à l'heure actuelle, on est le vendredi 31 août. Chris, tu as tourné la vidéo et tu l'as sortie au soir vers 19h. Et j'ai vu que tu as reçu le modèle noir. Donc c'est vrai que le rouge, ça pourrait mieux aller sur ton kit. Moi, le bleu, bon, ça dépend un peu de tout. Principalement, niveau logiciel, presque rien n'a changé. Je suis un peu déçu de ça. Vaptcho avait dit oui, on fera pas mal de changements, même au niveau de la réactivité. Je suis un peu déçu de ça. Par contre, ça c'est très bien, c'est l'intégration de la langue française dessus. Ça c'est top. C'est des box qui, je pense, pourraient être commercialisées en France sans aucun mal, parce qu'elles sont très bien. Mais auxquelles il fallait télécharger le firmware automatiquement, il fallait tout réinstaller, etc. Et sur les Superbat, c'était pas compatible. Sur celle-ci, ça sera compatible. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Mais il y a un petit mais par rapport à ça. Voici la structure de la cigarette électronique. Le focus en ce moment est dégueulasse. Le bouton central, bon, on est vraiment sur un bouton en plastique. 5 clics pour allumer, ça passe extrêmement bien. J'ai rien à dire. Par contre, les deux boutons qui sont sur les extrémités. Voilà, avec la lumière, vous verrez un peu mieux. J'ai l'impression que la finition, en fait, elle n'est pas encore là. J'ai l'impression qu'ils ont juste oublié de couper les boutons. Et donc, du coup, moi qui ai quand même des gros pouces, c'est assez compliqué. Et plus d'une fois, je suis là à galérer, à avancer dans les menus ou même devoir faire retour, etc. C'est dommage parce que sur les autres box, c'était pas comme ça et je préférais largement mieux. Après, c'est carrément esthétique. Là, on passe d'une première box à une seconde box. Voilà, par exemple, la Superbat, elle ressemble à ça. Et vous voyez que les boutons étaient vraiment bien sur les côtés. Et voilà.
on entendait bien le claquement. Là, comparé à celle-ci, je trouve que les boutons ne sont pas assez bien positionnés. C'est le gros inconvénient, je trouve, pour ma part. L'aspect de la Superbat, nickel. Au niveau du poids, on est vraiment sur une matière ici pour la Superbat en métal et là-dessus en plastique. Vous avez fait quoi, Vaptio? Vous avez fait quoi? Non, plus sincèrement, le plastique reste tout aussi bien. On sent que c'est du plastique quand même, qu'il n'y a pas beaucoup de métal. Mais qu'est-ce que c'est léger et qu'est-ce que c'est aussi agréable. Parce que la Superbat, métal à fond, c'était très bien, mais c'est vrai que ça commençait aussi à faire un peu long. Au niveau des accus, deux accus 18-150. Voilà, bon, on a un petit sens de polarité, c'est nickel. Le rack se met très bien, on a besoin de forcer ou autre. À l'arrière, qui dit Captain, dit petite étoile comme d'hab. Au niveau du logiciel, ça ne change pas. Depuis je sais pas combien d'années, ça n'a pas changé. On aura également un petit bouton en mode Captain America qui sera sur le côté avec deux petites flèches qui vont revenir un peu également sur le côté. Une entrée micro USB pour pouvoir faire les mises à jour sur votre PC, compatible Windows, Mac, mais ça sera tout bon. Également, rechargement USB, ça, il n'y a pas de souci. La box, parce qu'après, il faudra venir parler de l'ATO. La box, sincèrement, je vais pas vous mentir, l'atomiseur testé pendant 24 heures, et après, j'ai switché directement avec mon gros kiff du moment, c'est Cléto Pro par Aspire. Je suis vraiment resté focus sur cet ATO. Si vous mettez autre chose que cet atomiseur-là, ça sera très bien. Mais justement, je vais venir parler de cet atome. Le Cléto, j'ai aucun souci. Très très bonne réactivité. Ça, y a pas à cracher dessus. La réactivité est comme sur la Superbat, c'est vraiment top. Et par contre, du coup, qui dit réactivité, dit vous allez pomper le jeu aussi un peu plus rapidement. Je pouvais voir une chose, c'est que sur la Superbat, je devais mettre 80 watts pour une résistance. Oul. Ah, bah voilà, il est tombé. Je devais mettre 80 watts dessus pour une résistance recommandée à 75 watts. Et j'ai pas du tout la même réactivité que sur celle-ci. Comme quoi, il y a eu des petites mises à jour. Voilà. L'atomiseur qui est fourni avec, vous avez une première résistance, donc comme je vous l'ai dit, qui est en quad-core et l'autre qui est en single-coil. C'est très bien, j'ai fait un bon petit démarrage et j'ai mis mon jus du moment, celui que je vous avais parlé, le Cola Cabana par mes amis Diner Ladies. Bisous à vous. Et bah, je savais que sur les résistances industrielles, parce que j'utilise encore, par exemple, le Cléto Pro, il y a un petit arrière-goût de coton. Certes, mais là, je l'ai quand même gardé pendant 10 bonnes minutes. Sincèrement, 10 bonnes minutes. Également, on est sur un liquide en 30-70. Sur l'ancien ATO qui était fourni, qui était à peu près la même chose que celui-ci, c'est passé extrêmement bien. Mais alors là, je sentais le dry heat arriver. Alors, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est au niveau du wattage, etc.? Sachant que j'ai bien respecté le wattage, je ne saurais pas vous dire. Par contre, ce qui est très bien, c'est pour le dévissage. Dévissage par le haut, avec une toute petite cuve de remontée. De petites bonnes entrées quand même, pour pouvoir mettre le liquide. Ça, j'ai pas à dire dessus. C'est nickel. Au niveau des airflow, on est quand même sur quelque chose de bien aérien. Encore une fois, Vaptio, airflow, résistance, etc. Ça reste plus que correct. Est-ce que je suis tombé sur une résistance défaillante? Peut-être bien, ça je pense. Parce que toutes les résistances que j'ai reçues de chez Vaptio, je n'ai jamais eu de soucis. Et là, c'est la seule, malheureusement, auquel j'ai eu un souci. Quand je vous dis qu'elle est réactive, j'ai à peine besoin d'appuyer sur le bouton. Alors, on va attendre que le focus y se passe. Que ça marche déjà. Ça, c'est nickel. Pour l'atomiseur. Au niveau résistance. Résistance, malheureusement, voilà, là je sens déjà le bout de rate. Aux résistances, je pourrais dire, allez, 6 sur 10, grand maximum, parce que je tombais sur une défectueuse. Au niveau de l'airflow, je vais plus pencher sur un 7 sur 10. J'ai connu mieux par Vaptio, j'ai connu quelque chose de plus aérien, alors peut-être qu'ils ont voulu faire quelque chose de plus fermé, entre guillemets, un plus petit kit, ça pourrait être aussi très bien. Mais du coup, moi je suis parti d'un point de vue, Captain, on fait quelque chose de puissant, qui envoie de la vapeur, etc. Et en fait, non, on reste vraiment sur un kit assez léger. Bon, certes, ça peut se faire également. Mais du coup, airflow, bien aérien quand même, mais on garde un petit tirage. Par contre, au niveau saveur, je n'ai rien à dire. Elles sont présentes. Le Cola Cabana, je le retrouve bien. Après, c'est pas un liquide tellement compliqué à trouver au niveau de la saveur. Mais ça marche bien. Après, au niveau de la vapeur, je trouve que ça va. Ça fait un beau petit nuage quand même. Après, à vous de juger.
Je reste vraiment fidèle à mon Aspyr Cléto Pro. Sincèrement, depuis que je vous ai refait la vue, je n'ai toujours pas changé la résistance et je lui ai foutu du bon rouge bien sucré dans la tronche. Zéro souci. Ça passe toujours aussi bien. Nice. Conclusion de la Vapio. Alors, comme d'hab, les atos, ça reste au placard. Pour ma part, les atos mis hors de chez Vapio, ça marche très bien pendant une petite semaine. Après, c'est au placard, malheureusement. Par contre, au niveau des box, toujours pas déçu. Vapio, vous me arrivez toujours à me conquérir pour ma part. Box, si vous aimez bien les trucs un peu vintage, un peu Captain America, je pense que cette box-là, vous pouvez la prendre sans aucun doute. Après, voilà, c'est un peu une édition comme ça. Box toujours aussi réactive, j'ai pas vu énormément de modifications au niveau du logiciel comparé à la première version qui avait été sortie et la conversation que j'avais pu avoir avec Vapio directement par Messenger. Donc un peu déçu du côté logiciel. Esthétique légèreté, le changement entre le métal, l'alu et le plastique, c'est quand même assez flagrant. C'est vrai que moi, le plastique, je suis pas toujours aussi fan. Mais alors là, je l'ai fait tomber malheureusement deux fois sur du sol de dehors. Elle a pas un coup sur l'écran. Ça, c'est sûr et certain. Mais elle reste toujours aussi propre. Rien à dire, nickel. Conclusion, cigarette électronique, est-ce que je la conseillerais? Oui, je la conseillerais à n'importe qui. Le prix n'est pas très cher, je crois qu'on arrive en dessous des 40$, un truc comme ça. Reçu en moins de une semaine, un truc comme ça, je pense bien. Donc, ça reste encore correct par rapport à DHL. Donc voilà, si vous avez des petites opinions, des petits avis par rapport à cette cigarette électronique, je vous invite à voir ça. Également, d'habitude je ne fais jamais ça, il ne le saura pas, mais je vous mets aussi la revue de Chris, du coup en description, parce que Chris l'a sorti hier. Donc, je suis pas là pour dire « Oh, il a fait une revue !» Je suis là pour dire « Voilà, lui aussi a fait une revue, donc si vous voulez voir un autre opinion, bah allez le voir lui. » Ça pourra vous faire deux idées carrément partagées parce que je n'ai pas vu d'autres vues du moins en français. Je crois que Breaking Vap aussi en a fait une. Mais du coup, je vous mets la revue de Chris en description. Plein de gros bisous comme d'hab. On se retrouvera pour d'autres vidéos, comme je vous avais promis, sur du matos. Tant qu'il n'y a pas de vidéo, j'ai pas reçu de matos. C'était Théo, prenez soin de vous. A très bientôt. Peut-être avec une autre Captain America.